tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 2 ans et demi. Et je vous propose aujourd'hui de réaliser une petite carte qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est une petite carte qui est fermée par cette petite bande. Et lorsqu'on l'ouvre, on découvre des petites décorations sur les côtés. Et à l'intérieur, j'ai même utilisé le fait qu'on ait deux papiers superposés pour insérer une petite pochette qui peut servir de porte-chèque, de porte-billet pour un anniversaire, pour Noël, pour toute occasion de fête. Et on referme la carte comme ceci et le tour est joué. Alors, celle-ci, je l'avais réalisée dans la collection Vague d'Océan. C'était une promotion que nous avons eue il y a quelques temps. Donc, qui était dans des tons de bleu. J'ai réalisé aussi celle-ci, qui est plus dans des tons de mauve. Et vous voyez, la pochette, en fait, elle est réalisée avec le papier mauve. Donc, celle-ci, elle se ferme exactement pareil. Donc, toujours avec un petit message. Et aujourd'hui, on va utiliser des couleurs un petit peu différentes. Donc, je vais utiliser cette collection avec du papier coordonné, couleur papaye pâle. Voilà, donc, pour réaliser cette carte. Nous avons besoin de deux morceaux de papier uni. Donc moi aujourd'hui, ça sera du papier blanc de 26 cm par 13 par 10 cm, pardon, de 26 par 10. Donc deux morceaux. Nous aurons besoin d'un papier fantaisie, donc avec les motifs. Donc, comme je vous le disais, j'ai utilisé celui-ci et on va le couper en diagonale. Ensuite, nous aurons besoin d'un papier papaye pâle, d'un carré. Alors, celui-ci, tous les deux font 9,7 cm et tous les deux seront coupés en diagonale. Nous aurons besoin d'un papier blanc, donc où l'on va tamponner notre motif. Donc ce papier blanc, il fait 9,3 par 9,3 et il sera lui aussi coupé en diagonale. Alors attention si vous imprimez un motif, parce que le motif, il y en a un qui va se retrouver à l'envers. Ensuite, pour la fermeture de la carte, j'ai prévu donc une bande de papier papaye pâle qui mesure 29,7 par 3 cm. Et pour la décoration de notre papier, de notre bande, donc ce morceau-là, j'ai donc prévu, toujours pareil, du papier à motif qui fait 13,5 cm par 2,5 cm. Voilà pour le matériel. On va donc passer à la découpe. Donc, enfin, au pliage surtout, puisque la découpe, elle est faite. Donc, dans ces deux papiers blancs, je vais réaliser une marque de pli à 14 cm. Ensuite, je vais faire un petit repère à 2 cm. Après cette marque de pli, hop, un peu. À 2 cm. Voilà. Et je vais venir plier, hop, à partir de ce repère, ici à 2 cm, jusqu'à l'angle opposé pour avoir notre diagonale. Donc je me place
le papier dans mon massicot au niveau de la rainure et je viens faire mon pli. Voilà, et on obtient cette marque et la carte est pliée à 14 cm. Je fais pareil avec le deuxième morceau. Je fais un pli à 14 cm. Je viens faire une marque, un petit repère à 2 cm après la rainure. 2 cm ici et pareil je reprends le massicot et je pose mon papier de manière à ce que mes 2 cm et mon angle opposé soient dans la rainure et je marque le pli. Voilà ce que l'on obtient, je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, donc, ma carte, elle va se présenter comme ceci. Vous voyez, on a ici les deux morceaux de 14 cm. Hop, je vous montre. Et donc, celui-ci va se plier vers l'extérieur. Et celui-ci va se plier. On le tourne. On va se plier. Comme ceci. Et donc, quand on plie notre carte, on a bien nos deux plis triangulaires sur la face avant. Voilà, celle-ci, donc, qui se trouve à l'intérieur, je vais la recouper un petit peu ici pour que la fermeture soit à peu près parfaite. Hop, je recoupe de pas grand chose, 2-3 mm. Voilà. Comme ceci, on arrive davantage à faire jointer notre carte. Voilà. Donc, voilà pour la base de la carte. Je vais donc maintenant couper les deux morceaux de papier design. Donc, ces deux-là. Pour moi, ce sera celui-ci, coloris, papaye pâle et riche raisin. Je le coupe donc, parce que mon papier n'a pas de sens forcément. Je le coupe donc d'un angle à l'autre en diagonale. Donc j'attaque ma coupe par le milieu pour éviter d'abîmer les angles de mon papier. Hop. Vous voyez qu'on le positionne parfaitement. Allez, je mets de côté. Je vais ensuite couper de la même façon mon petit papier papaye pâle d'un angle à l'autre et toujours pareil, je me positionne la lame de coupe au milieu pour pas abîmer mes angles en commençant la coupe. Voilà pour ça. Donc si je reprends mon papier, je vais vous montrer avec des trombones un petit peu ce que ça donne. Ici, j'aurai mon papier tamponné et à l'intérieur, j'aurai mes motifs. Okay. Voilà à peu près ce que ça va donner. Vous voyez, quand on plie et quand on ouvre.
ces deux-là vont être ici pour donner un petit matage de la même coloris, du même coloris à mon papier que je vais tamponner. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais vous allez le comprendre au fur et à mesure. Alors, pour ça, je vais utiliser un set de tampons qui s'appelle Jardin d'Éden, et je vais utiliser ce tamponnage. Donc, je vais le tamponner en papaye pâle, et je vais faire quelques motifs, donc en papaye pâle, et je vais faire quelques petits branchages avec la couleur Riche Raisin, donc qui sont les couleurs de notre papier design aujourd'hui. Allez, je vais utiliser ma machine pour tamponner parfaitement. Donc, j'ai choisi un motif qui n'a pas forcément de sens, puisque la fleur, le feuillage, on peut l'utiliser dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Vous voyez ce motif-là. Donc, je vais le placer sur mon papier blanc. Et je vais prendre mon encreur papaye pâle. Et je vais tout simplement ancrer mon papier. Comme c'est une encre d'une couleur très pâle, je recommence pour accentuer un petit peu la couleur. Et je peux y aller une troisième fois sans problème. Comme mon papier n'a pas bougé, ni mon tampon, on est sûr de tamponner toujours au même endroit. Voilà. Je nettoie mon tampon. Hop. Et je vais donc tamponner mes feuillages. Donc, avec cette fois la couleur Riche Raisin. Hop, et je vais prendre ce petit tampon. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en fait, c'est ce motif-là. Je le positionne sur mon bloc acrylique. Je vais prendre celui-ci quand même. Je vais d'abord faire un petit essai. Impeccable. Et donc, je vais tamponner un petit peu de façon aléatoire. Je vais quand même mettre une petite protection. De manière de ne pas tâcher ma petite plaque. Celle-ci se positionne comme ceci. Et je recommence. Alors là, c'est vraiment, vous voyez, du tamponnage un petit peu comme on veut. Ah, j'ai marqué, vous voyez. Voilà, donc on obtient ceci. Hop, je fais tout ça. Je nettoie mon tampon, je récupère tout ça. Hop.
Et je vais donc le couper en diagonale, comme les autres. Alors, peu importe le sens, de toute façon, le motif n'a pas de sens précis. Donc, on s'en fout un peu. Hop, je le positionne bien dans la rainure. Je me positionne au milieu. Voilà. Et donc, celui-ci va venir se superposer avec celui-ci, donc le papier papaypal. Et il va venir se positionner ici. Et l'autre sera de la même façon, ici et ici. Vous voyez ? Ça donne un petit style sympa. Bon, je m'aperçois que j'ai oublié de couper les deux petites bandelettes, je vous montre, qui se trouvent à ce niveau-là. Donc, je vais couper ça. Alors, elle mesure 1,7 par 9,8. Allez, je coupe ça. 1,7 donc je reprends mon petit papier design, je le positionne à 1,7 par 9,8 j'ai dit. Voici 9,8 et en voici 2. Et donc je vais les positionner sur les côtés. Voilà, je vais donc passer à la partie, non, avant de passer à la partie collage, je vais faire une petite encoche sur le morceau qui se trouve à l'intérieur de ma carte, en fait, pour pouvoir attraper aisément, si on veut glisser un petit chèque ou un petit billet, pour pouvoir attraper plus facilement. Alors, pour ça, je reprends ma règle. Je vais donc faire un petit repère au milieu. Donc nous avons 13,8, ça fait 6,5, ça fait 6,7 à peu près le milieu. Je vérifie quand même. Ouais, juste un petit peu plus long. Voilà, et je vais prendre le perfo. Dans l'usage, je vais le détourner, donc c'est une perfo cœur, mais en le positionnant un petit peu de biais, vous voyez, j'arrive à faire une petite encoche. Voilà, tout simplement. Voilà pour ça. Et je vais donc passer à la partie collage. Donc, on ne se trompe pas, sur cette partie-là, puisque c'est ce motif, ce morceau de papier que nous avons, je vais coller donc mon papier design, juste en bordure. Vous voyez, à partir du petit repère qu'on avait fait à 2 cm ici. Donc, je colle ça. Voilà, on le colle bien au bord.
et ce morceau ici. Pour moi, le matage, c'était du bleu, du béguin bleu. Je ne sais pas si vous le voyez un petit peu. Moi, ça sera du papaye pâle, bien sûr. Donc, je colle mon petit morceau de papier. Voilà. Et je vais prendre un petit morceau de carte. Alors, peu importe lequel, hein. Et je vais le positionner ici. Voilà. On essaie de le centrer par rapport au matage un petit peu. Voilà. Pour cette partie, donc je la mets de côté et je vais maintenant travailler sur l'autre partie, donc le morceau donc qu'il y a dessous et celui-ci. Donc ici je colle mon papier DSP, mon papier design. Oui, c'est une carte très très simple à réaliser. C'est vraiment que de la découpe et du collage. Et voilà, je le coupe bien, je le colle bien à partir de mon petit repère que j'avais fait à 2 cm. Je reprends mon papier papaye pâle. Et je viens le coller, toujours pareil. À ce niveau-là. Et je colle par-dessus mon papier que j'ai tamponné et découpé. Hop. Voilà, on a fait la plus grosse partie du travail. Vous voyez, notre carte, elle commence à prendre un petit aspect sympathique. Voilà, sur les côtés, je vais donc coller mes deux petites bordures. Voilà, pour une, vous voyez, ça finit vraiment la carte, plutôt que de le laisser tout blanc, ça fait une petite fantaisie, et un petit rappel aussi de la carte à l'intérieur. Hop, et je colle, vous voyez, les couleurs sont très douces, j'aime bien ces deux couleurs ensemble en fait. Moi, je trouve que ça rend bien. Bon, ça va, je suis contente de moi, c'est l'essentiel. Ensuite, je vais coller donc cette partie-là sur cette partie-là. Mais je vais faire attention de ne pas mettre la colle partout, bien sûr, puisqu'il faut pouvoir y laisser le chèque. Donc, je vais mettre du double face ici sur les trois côtés. Allez. Le double face et on le positionne. Hop. Voilà pour eux.
Alors, on essaie de le mettre le plus au bord possible pour pas trop fermer la pochette non plus. Hop, avec mon pivot à noce, j'appuie bien sur mon scotch. Pour qu'il adhère comme il faut. Hein. J'enlève ma petite pellicule. Et je vais donc le positionner délicatement. Et vous voyez, notre carte, elle ferme parfaitement. Allez, on va bien appuyer sur le masque double face. Voilà. Donc, ici, vous pouvez, tout à loisir, faire un petit rappel de feuillage. Moi, je vais faire celui-ci. Que j'ai déjà fait, hein. C'est pas un mystère. Ouais, je mets mon tampon. Hop. Je reprends mon encreur. Donc, riche raisin. Hop, je vais essayer de pas mettre partout. Ouais, c'est ça. On va y aller gentiment. Parce que je chic d'en mettre partout. Voilà, c'est juste un petit rappel. Je referme mon encreur. Et voilà. Une bonne partie de la carte est terminée. Alors ensuite, pour la petite bande, donc, qu'on positionne sur le devant, on va pas se prendre au chaud. Je vais d'abord appuyer un petit peu mes plis. Hop. Voilà, donc je prends ma bande de papier papa et pâle. Et on se prend pas le chou. On la positionne. On positionne notre carte. Donc à la moitié, elle fait 14 cm. C'est facile puisque là, j'ai mes graduations. Je positionne derrière ma petite bande qui fait 29. Donc 29, ça fait presque 15. 15,35. Ah. Je positionne ma carte à la moitié, puisque j'ai un trait ici, donc je me base à ce trait, donc qui est à 20 cm. Ma carte fait 14 cm. Donc je la positionne juste à la moitié, donc de 13 à 27. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. En fait, je me base à ce repère-là, qui est donc le 20 cm, et je partage de façon égale pour dire de pouvoir plier mon papier. Vous voyez, je le plie juste avec les doigts comme ça. Je ne fais pas un pli franc parce que sinon après ma carte ne rentrerait plus. Vous voyez, là, on fait comme ça et on le positionne. Voilà, donc l'attache du papier va se trouver derrière. Donc, on va le coller comme ceci.
on positionne un petit peu de colle. Hop, on le maintient un petit peu appuyé. Zut. Voilà, sur la façade de devant, j'utilise mon petit papier que j'avais prédécoupé. Donc, je vais le coller. Comme ceci. Voilà, voilà. Donc, en théorie, notre carte, elle rentre parfaitement dans son emplacement. J'avais cru voir une bêtise, mais non. Donc, je la colle devant quand même. Il faut quand même que ça maintienne un petit peu la carte fermée, sinon ça n'a plus de sens. Et je vais donc tamponner un petit message. Ce petit message, j'ai choisi câlin et tendresse. Je vais le tamponner, et bien on va dire en... allez, riche raisin. Hop. Sur du papier blanc que je n'ai pas prévu, bien entendu. Alors, est-ce que mon message rentre dans la petite perfo? Parce que j'aime bien tamponner avec cette perfo, puisqu'on a ce morceau pour faire le matage et ce morceau pour le tampon. Je pense qu'il doit rentrer. Voyons voir. Allez, on va le tenter. Je suis pas sûre du coup, mais... Hop. Voyons voir. Ça rentre. En fait, les deux se découpent, mais celui-là, je sais que je l'utiliserai toujours. Je vais donc reprendre un morceau de papier. Une petite chute de papier pas palpable et je vais hop, ça ici et je vais découper le petit matage de ma perfo, de mon message de la perfo. Voilà, et le petit message va nous donner ceci et je vais le positionner ici. Allez, on colle tout ça. Voilà, et je vais le positionner à ce niveau-là. Je vais nettoyer mon tampon. Voilà qui est propre. Et ensuite, je vais positionner tout ça ici.
voyez, notre carte est presque terminée. Je dis bien presque parce que il faut quand même mettre un petit peu de fantaisie à notre carte. Donc, je vais utiliser mes... Voilà, mes petits joyaux incolores qui sont donc coordonnés aussi à cette collection. Et je vais mettre... On va mettre des couleurs. Allez, papaye palme. On va mettre l'ego. Alors, je vais mettre ici parce que j'ai fait la bêtise. Hop, on cache la bêtise. Donc, ben, toujours un nombre impair. On va en positionner un autre par ici, puisque j'ai encore fait la bêtise. Et une autre ici. Et voilà, notre petite carte est terminée. Alors surtout, quand vous l'ouvrez, il faut faire très attention de la faire glisser bien vers le bas. Parce que si vous faites glisser vers le haut, vous allez enlever vos petits joyaux. Donc, on positionne vers le bas. On ouvre la carte. Et ici, on peut positionner notre petit billet pour faire le cadeau. Je la replie et je la referme. Par le bas, hop, en évitant de tout décoller, et voilà, vous voyez, donc vous avez trois versions différentes. Je fais un petit peu mon ménage là. Alors on a papaye pâle et riche raisin, on a la version maritime, la version océan, ici, et la version fleurie, dans des tons de mauve. Voilà, et bien j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon dimanche, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.